demander sous le patronage de Saint-Pierre et de Saint-Paul les uns et les autres. D'ailleurs, il y a ces deux vitraux derrière vous. Pendant que vous chantiez, on avait ces deux images de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Saint-Pierre qui nous dit cette confession de foi, vous êtes le Christ. Et puis Saint-Paul qui nous demande de nous enraciner dans la charité du Christ, qu'on a chanté tout à l'heure. C'était un des chants Wolof, là, hein, que l'hymne à l'amour, hein, qu'on a chanté, on a dansé. Voilà, on découvre aussi que, voilà, on ne se contente pas simplement de chanter, mais de danser. Puis ça a été une expérience de communion, hein, voilà, avec tout le monde, donc c'était en acte. Et vous êtes habillé en rouge, qui est la couleur du témoignage. C'est pour ça que Saint-Pierre et Saint-Paul, d'ailleurs, quand on les fête, portent toujours la couleur rouge, parce que c'est le sang du Christ. Et vous voyez, le vitrail central, il est en rouge. Et il nous amène à la lumière de la résurrection. Et cette promesse que... Et cette promesse qu'un jour, tous ensemble, nous nous retrouverons pour danser et louer le Seigneur dans l'éternité. Et ça... Et on aura toujours l'énergie, ça ne finira pas. Bon, merci, vous nous introduisez à ce mystère. Oui. Avant de vous quitter, tenons à vous dire un merci très sincère qui vient du fond de notre cœur. Là, je suis même ému, je ne peux pas parler. D'habitude, je suis très timide, je ne parle pas en public. Voilà, c'est une très belle occasion que nous avons eue aujourd'hui. Venez partager avec vous ces quelques mots. Nous avons passé une très bonne journée qu'on ne va pas oublier, c'est sûr et certain. Et comme par hasard, la chorale Saint-Pierre-et-Paul, on ne le savait pas, est venu dans cette église Saint-Pierre-et-Paul pour faire ce beau concert. Donc merci à vous tous, chaton public, d'être venu participer à ce concert. Sans vous, on ne serait pas là. Parce que grâce à vous, vous avez encore donné beaucoup plus de force, de motivation pour faire cette prestation. Un merci très particulier à notre marraine qui est là. Thank you.
l'église de Pantheon à Bâle-Fond. Je vais passer la parole à Nicolas, qui est le maître de cœur de la chorale. Bonsoir à tous. Bonsoir. D'abord, je m'excuse parce que je n'ai pas pu assister à la messe ce matin, parce que je me suis retrouvé à Marseille depuis vendredi soir, suite à la perte d'une de mes tantes. Voilà, je suis rentré de Paris, je suis venu directement à l'église, voilà, pour nous parler du bel concert. Voilà, je sais que par le Christ, on est tous unis, quelle que soit la distance, que vous soyez à Paris, que ce soit, qu'on soit au bureau, qu'on soit à Marseille ou ailleurs, on est tous unis par le Christ. Voilà. Parce que qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui? C'est la prière. Pourquoi je me suis déplacé, je suis allé à Marseille? C'est pour la prière, justement. Voilà. Donc, on est tous de tout cœur avec vous. Donc, il n'y a pas de différence. Que vous soyez dans une paroisse différente, on est tous les mêmes. On le sait. Je n'ai pas besoin de vous, voilà, de vous en dire plus. En tout cas, on est très, très, très joyeux d'avoir été animé par vous. Voilà. Et que Dieu vous bénisse tous. Oh.